Des ruines anciennes. Transformées en bastion Ténac. Et Éther serait à l'intérieur. Ça va pas être simple de fouiller avec tous ces guerriers Ténac. Les forces de Régala sont peut-être impressionnantes, mais... Ces machines ont éliminé toute mon escouade. N'oublie pas les visions. Les anciens n'ont pas choisi leur combat, mais ils ont pourtant tenu bon. Ils n'ont pas faibli. Et nous non plus. Par le sang des Dix, tu es venu à nous. Tu sais qui je suis ? La guerrière aux cheveux embrasés qui a vaincu le champion de Régala à Cagnard. Oui, nous te connaissons bien. Je suis Deka, chapelaine du clan de la Plaine. Tu es venue parler au chef Écaro ? Pas exactement. J'ai besoin de quelque chose ici. Le chef te fournira tout ce dont tu as besoin. Viens. C'est l'une des visions dont tu as parlé ? Oui. Les archives des Dix. Je peux te les montrer, si tu veux. En allant voir le chef. Pourquoi Écaro veut me voir ? Nous sommes en guerre contre Régala. Et tu as déjà prouvé que tu pouvais t'opposer à elle. Je ne suis pas là pour me battre pour vous. Non, pas pour nous. Avec nous. Mais je n'essaierai pas de te convaincre. C'est le rôle du chef. Il est très persuasif. Ces visions, tu dis qu'elles sont les archives des Dix. Qui sont-ils ? Des anciens qui ont combattu les machines lors d'une bataille sur cette même terre il y a longtemps. Leurs exploits sont comptés dans les visions. Ou du moins ce qu'il en reste. Pour être célébrés et nous inspirer. Tu veux dire qu'il y avait d'autres visions ? Oui, beaucoup. On pouvait en voir partout autrefois ici. Mais au fil des ans, elles ont fini par se taire. Une par une. C'est pour cette raison que les chapelains jouent un rôle vital. Nous essayons de nous souvenir des visions. Gravées en nous. Et transmise par la parole de génération en génération. Un jour, tout le bosquet sera éteint. Mais son héritage restera gravé dans les souvenirs des chapelains. Quel est le rôle d'une chapelaine ici ? Ceux qui survivent à leur jeunesse étudient les visions et partagent leur sagesse avec les jeunes. Quel genre de sagesse ? Se comporter en guerrier. Combattre en faisant preuve de courage et d'honneur. Et savoir quand demander la paix. Tu verras par toi-même, quand on entrera. D'accord. Allons voir le chef Écaro. Il est dans la salle du trône, au fin fond du bosquet. Entre. Sois la bienvenue dans les archives des Dix. Venez découvrir la vie d'un soldat des Dix. C'est corrompu. Incomplet. L'ombre de la JTFG. Menez. Or et leurs armes. Combat. Vous les déçus, partagez tout. Les Dix étaient des soldats déterminés qui coopéraient en escouade et se partageaient le travail. Quand le moment de la bataille est venu, ils se sont envolés pour atteindre la gloire. Tous les Ténacs suivent leur exemple. Avant le chef, c'était l'un des rares. Le chef est ici. Tu es prête à lui parler ? Je suis prête. Bien. Viens.
se trouve sous le trône. On se voit bientôt, étrangère. La sauveuse de Méridian. J'ai cru entendre que tu avais protégé Cagnard des forces de Regala et triomphé de son champion Grouda en combat singulier. Impressionnant. J'ai aussi rencontré Fashav. Il m'a vanté vos talents de guerrier et votre honneur. Sa mort fut tragique pour nombre d'entre nous. Nous mettrons longtemps à nous remettre du massacre de nos maréchaux. Mais si tu es venu nous offrir tes services, notre tâche sera facilitée. Je ne veux pas me battre pour vous. J'ai besoin de quelque chose dans cette salle en bas. Une chose qui sauvera de nombreuses vies, dont la vôtre. Ce n'est pas quelque chose de visible, mais c'est bien là et... Je l'ai vu. Tu as donné ton prix. À moi de donner le mien. Mes maréchaux sont morts, j'ai besoin de ta lance. Aide-moi à vaincre mes ennemis, et tu pourras accéder à ce qui se trouve en bas. Il ne s'agit pas de mon prix. Je ne suis pas mercenaire. Je veux sauver des vies, plus que vous ne pensez. Je pense aux nombreux maréchaux tués. Aux très nombreux Ténac, qui risquent de mourir à leur tour. Je me battrai pour eux. Et je tuerai tous ceux qui menacent la paix, et tu feras de même. Si tu veux que j'ouvre la porte qui mène en bas. D'accord. En suivant cette logique, qu'est-ce qui m'empêche de vous tuer tout de suite et de prendre ce qu'il me faut pour sauver tout le monde? Essaie donc. Tu pourrais même y arriver. Dans tous les cas, tu te bats. Pour moi, tu préviendras le massacre que prévoit Regala. Bien. Je dois faire quoi? Il me faut plus de maréchaux pour diriger la tribu. De tels guerriers ne peuvent être promus qu'avec une épreuve appelée le Coulroute. J'ai invité la tribu à y participer. Mais si Regala veut saper mon autorité, elle va certainement y venir. Elle tentera de me tuer devant l'ensemble des clans. Vous voudriez que je vous serve de garde du corps? Non. Tu protégeras le Coulroute. Ce n'est pas tout. Redoutant l'attaque de Regala, l'un des clans rechigne à proposer ses candidats. Tu dois aller au nord. Et forcer Tekoté, le commandant du clan du ciel, à obéir et me les envoyer. Forcer à obéir? Fais ce qui sera nécessaire. Le Coulroute ne peut avoir lieu que si les trois clans sont présents. Le maréchal Kotalo t'aidera. Il a été blessé à Cagnard, mais il peut encore être utile. Je l'ai envoyé au nord, dans le village de Garde-Pierre. Va le trouver, et il te mènera à la forteresse du clan du ciel. Si jamais tu as des questions sur ta mission, c'est le moment. Vous dites avoir vu ce qui se trouve en bas? En effet. Ça remonte au jour de ma plus grande victoire. Votre victoire? Pendant 10 générations, les trois clans se sont battus pour le contrôle de ce lieu sacré. Moi seul ai réussi. Après des années, je me suis imposé face aux autres. Une fois tous mes rivaux éliminés, il ne restait que moi dans le bosquet. Je pensais savourer cette victoire. Je me trompais. Le tonnerre a grondé à l'est. Un éclair bleu est apparu. Juste ici. Gaïa meurt. Et Éther arrive. Autour de moi, les visions du bosquet se sont intensifiées. Et tout à coup, une autre vision m'est apparue. Les anciens m'ont parlé. Et ce qu'ils m'ont dit a tout changé. Que vous ont dit les anciens
dans cette nouvelle vision? La dénommée Faraday a prédit la menace qu'étaient les machines. Elle a dit que seule l'union nous sauverait. Elle a appelé les maréchaux à œuvrer pour la paix. Puis elle est partie, pour ne plus jamais revenir. J'ai marqué le lieu de la vision avec ma lance. Et j'ai choisi de faire confiance à Faraday. J'ai mis un terme aux guerres de clans, pour se concentrer sur les machines, et j'ai nommé des maréchaux via le Gloot. Depuis lors, la tribu vit en paix. Merigala a tout gâché en attaquant Cagnard. Et la pièce, sous le trône, vous y êtes entré par la suite? Dedans se trouve un appareil antique, un appareil puissant. Tu pourras venir l'admirer après le Colroute, je te le promets. J'accepte d'aller au nord, afin de parler à tes côtés. Vous feriez mieux de tenir parole. Tu auras ce que je t'ai promis, en cas de succès. Parle à Deka avant de partir. Elle va t'aider à t'armer pour la route. Viens, nous devons parler. Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Et Caro dit que tu as quelque chose pour moi? Une arme pour t'aider dans ta mission. Tu vas en avoir besoin pour atteindre Garde-Pierre. De nombreuses machines rôdent sur la route. Et des éclaireurs de Régala ont aussi été aperçus dans les parages. Des machines et des rebelles. Ce ne sera pas la première fois. Oui, c'est vrai. Va au nord, vers les collines. Tu devras les gravir jusqu'à ce que tes jambes brûlent et que l'air se fasse plus frais. Tu sauras alors que tu es au clan du ciel. Que les 10 guident ton arme à l'œil. Si je veux récupérer Aether, je vais devoir jouer le jeu des carreaux. Je devrais aller retrouver le maréchal Cotalo à Garde-Pierre. Ce sera plus rapide à dos de machine. Machine. Ce soldat qui est là en danger. J'ai l'impression que cette machine pourrait piétiner des rochers, des arbres. Et moi. Il monte de plus en plus, et il commence à faire froid. Je dois plus être loin de Garde-Pierre. Impossible. Tu n'as pas pu passer l'inspection habillée comme ça.
Voilà la neige. T'as du nouveau? C'est trop calme par ici. Laissez tomber, achevez l'ennemi. Allez, ordonnez vos actions. Aucune lame ne reste propre. Aidez notre camarade. Ce tir est pour régaler. Pas un pas de plus. Les Ténac n'acceptent pas les étrangers sur les terres des clans. J'ai reçu un droit de passage du maréchal Fachav. Je ne viens pas me battre. Ses cheveux de sang. C'est la guerrière qui a vaincu Groda, le champion de la traîtresse Regala. C'est pas à nous de prendre sa vie. Tu peux entrer, mais ne fais pas de vagues. On t'a à l'œil. Je tâcherai de m'en souvenir. C'est sûrement garde-pierre. Kotalo doit déjà m'attendre. Mais je devrais visiter un peu avant. C'est lui qui a fait son escouade. Ouais. J'imagine que sa haine des Karja lui importe plus que la loyauté. La de Milf. Hé, l'étrangère. Affaire. Tu as déjà fait le voyage des 10, n'est-ce pas? Je dois faire des ventes. Deux fois. Alors, c'est l'un reviens des me voir, d'accord? Et t'as des conseils pour une débutante? La prochaine fois, hein. J'ai entendu dire que Kotalo avait survécu. Voilà Kotalo. Qu'est-ce qu'il regarde? La championne venue de faisons affaire. Alors j'ai quelque chose à te dire. Toujours pas de nouvelles de Pic Gris. Ni de l'escouade Ibo. Ni de l'équipe de sauvetage. Laisse-leur un peu de temps. Peut-être qu'ils sont encore en train de déterrer les victimes. On dirait plutôt que ceux qui se... T'inquiète pas, c'est l'escouade Ibo. Cette vallée est infestée de rebelles de Regala. Ils font passer des machines par là depuis des jours, d'après nos éclaireurs. Ils les chevauchent, ou marchent à côté et ils pillent même leurs pièces parfois. Surtout les canons. Il ne sera pas simple de passer. On devrait y aller. On m'a ordonné de te mener au rempart pour que tu parles à tes côtés. Espérons que ça suffise. Pas si vite. Il me faut un peu plus d'informations. Bon, quel est le plan? Le rempart se trouve au sud-ouest. Nous rencontrerons inévitablement d'autres troupes de Regala en chemin. Nous allons devoir les écraser, ou bien passer sans nous faire repérer. Ce sera loin d'être facile. Comme toujours? Nous devrions y aller. Selon nos éclaireurs, suis-moi. Ils ne sont pas loin. Je ne mords pas, soldat. Comment tu comptes convaincre tes côtés d'envoyer ces candidats? Je n'y compte pas. Allez. Les Ténac respectent la lame et la puissance du guerrier qui la manie. À quoi servirait quelqu'un qui n'en a pas? Heureusement pour nous, on est doués au combat. Mais espérons qu'on n'en arrivera pas là.
Alors, toute cette vallée appartient au clan du ciel ? Oui. Le clan l'a protégée pendant des générations. Contre qui ? Les autres clans Ténac. Et même les Karja, il y a longtemps. Si tu veux un cours d'histoire, adresse-toi au chapelain. Quand tu as quitté le bosquet, comment tu savais que j'allais accepter d'aider Hécaro ? Lorsque le chef veut convaincre quelqu'un, il y parvient. Des rebelles, ils piratent cette machine. Tue-les, ou contourne-les. Je te suis. Dépêche-toi. Il faut qu'on rejoigne les autres. Dépêche-toi. Fini le travail. Ma tête. Ils doivent bien être quelque part. À toi. Non. Tant mieux. On continue vers le rempart. Je mets ça de côté. Ces rebelles rassemblent des pièces de machine. Peut-être pour procéder à d'autres piratages. Et tes côtés ne comptent rien faire ? Pourquoi se fatiguerait-il alors qu'il a le rempart ? J'ai grandi derrière le mur. On en retire une fausse impression de sécurité. D'autres rebelles dans la clairière. Passe devant. Comment ça se passe ? Je suis fatigué. Mais je dois rester vigilant. Fichue pluie. Au moins, ça va nettoyer les latrines. Quelque chose à signaler ? Non ! T'as vu ça ? Une intruse ! Je t'arrêterai ! Retourne au confort ! Concentrez vos tirs ! Tu vas tomber ! Je les ai. Tu es en vie. Fais en sorte de le rester. Je ne suis pas encore mort. Seule la mort te libère. Donne, allons. Continue. Je suis toujours marré. Ah.
Viens. C'est par là. Rends-toi sur le champ. Ma lame parlera pour moi. T'interposera pas. Elle est exposée. Allons-y. Toute cette neige étouffe les bruits. À Gare de Pierre, tu as dit que les rebelles passaient par là depuis plusieurs jours. Quand Écoté réalisera qu'il n'a plus l'avantage, toute la vallée risque d'être envahie. Si je ne me préoccupais pas du reste du clan, j'aurais hâte. Hâte de voir sa fierté s'effondrer. Ah, bon. On pourra peut-être le faire changer d'avis. Le voilà. Le rempart. Dis-moi quand tu seras prête, et j'irai nous annoncer. Toi, là! Un maréchal demande une audience avec le commandant du clan. Je ne savais pas qu'il restait des maréchaux. Nous défendons la route de la montagne. Où les ailes des Dix nous trouveront. Bien, maréchal. Je te renvoie l'ascenseur. Quand on verra tes côtés, c'est moi qui parlerai. On va voir comment ça se passe. Enfin rentré. Tu vivais ici, alors? Il y a très longtemps. Suis-moi. Oh, allez! Tu peux faire mieux que ça! Tu l'as entendu! Bouge! Maréchal Cotalo. Est-ce que c'est Cotalo? Une fois. Qu'est-ce qu'il fabrique avec l'étranger? J'ai réussi à mettre quelques coups avant que Virak m'assomme. Pourquoi? C'est une blessure atroce. Le dernier maréchal. Il y a des endroits dont je devrais me méfier sur le chemin. L'important, c'est pas le chemin, mais ton partenaire. S'il est faible... regrettera. Je pourrais même ne pas atteindre le sommet. Je vois. Bon, merci. C'est un accueil chaleureux. Une étrangère et un maréchal manchot. Un vrai festival. Ça me rappelle l'endroit où j'ai grandi. Je sais pas ce qui était le pire.
Quand il m'évitait ou quand il m'observait, les yeux ronds? Dans l'immédiat. Nous sommes venus voir tes côtés. Laissez-nous entrer. Le puissant fils du clan du ciel revient. Les 10 soient loués. Ton chef a ordonné que tous les candidats au Coolroot soient dépêchés au plus vite. Nous venons nous assurer que tes représentants ne se perdent pas en chemin. Je vois. Regala a dû porter un sacré coup à notre chef pour qu'il vous envoie tous deux comme messagers. Cette femme a vaincu le champion de Regala à Gruda, à l'ambassade. Elle s'est battue vaillamment. J'ai eu le bon sens de tenir nos hommes à l'écart de cette ambassade. Tout comme maintenant j'ai le bon sens de ne pas envoyer nos candidats. S'ils doivent se battre, ce sera ici, pour défendre nos murs, notre clan. Ton mur ne te protégera pas. Pas contre les machines que contrôle Regala. Elles se dressent déjà à tes portes. Et que sais-tu au juste des attaques que le rempart a essuyées? Du sang qui attachait nos pierres? Je sais qu'il n'était pas destiné à protéger les lâches. Tu étais un grand guerrier autrefois. Mais c'est du passé. Tu peux dire à Hecaro que, sauf son respect, nos précieux candidats resteront ici, et ceci tant que le rempart assurera notre sécurité. Je te l'ai dit, on ne peut pas raisonner avec lui. On va devoir le tuer. Pas facile avec ces hommes autour. Est-ce que tu m'écoutes? Tant que le rempart assurera notre sécurité, a-t-il dit. Attends-moi. Je vais jeter un petit coup d'œil à ce mur. Quoi? Pourquoi? Puisses-tu triompher de tes amis? Ce mur n'est peut-être pas aussi robuste que le pensent tes côtés. Il faut que je descende à sa base pour vérifier. Hé, étrangère, bien faire affaire avec moi. Tu abandonnes déjà, étrangère. Tu perds rien pour attendre. Il va falloir que je m'éloigne un peu du mur pour pouvoir le scanner comme il faut. Allez, je dois scanner ce mur. C'est ce que je pensais. Il y a du métal coincé là-dedans. Toute cette roche m'empêche de scanner correctement. Je dois me rapprocher. Mais comment? On dirait que je peux grimper sur le côté gauche du mur, près de cette cascade. D'où peut bien venir cette eau? De l'eau coule à l'intérieur du mur. Vers une caverne, peut-être? Je peux me dégager un chemin en retirant ces rochers. C'est à la
flamme brille de nous, que les dix veillent sur toi. Bon, et si je scannais à nouveau? Un noyau d'énergie. Je parie que si je le fais exploser... Mais comment? Bon, je peux rien faire d'autre ici. Je ferais mieux de retrouver Kotalo. Les gardes disent que tu rôdes autour du mur comme une vermine. Par les dix, mais qu'est-ce que tu manigances? Tes côtés a dit qu'il n'enverrait pas ses candidats tant qu'ils seront en sécurité dans le rempart, n'est-ce pas? Je m'en souviens. Alors, on va la battre. Tu t'es cogné la tête quelque part? Je suis sérieuse. Il y a une structure de l'ancien monde coincée là-dedans, avec un noyau d'énergie. Je peux le faire sauter si j'arrive à traverser les premières couches de roches et de métal. Même si ce que tu racontes est vrai, il te faudrait un canon pour faire ça. Tout à fait. Et tu as dit que les rebelles en récupéraient sur des machines dans la vallée. Allez. Non. Je refuse de jouer un rôle dans cette farce. Et Caro t'a donné l'ordre de m'aider. Tu oserais le défier comme le fait ce crétin arrogant ? C'est une comparaison peu flatteuse. Les rebelles possèdent peut-être un camp au nord-est. Et ensuite, on va tous les affronter à nous deux? Quelque chose comme ça, oui. J'admire ton courage. Faute de pouvoir admirer ta logique. Alors, plutôt avec tes côtés, on aurait dit qu'il y avait une certaine tension entre vous. En effet. Si par miracle ton plan fonctionne, je t'en dirai peut-être plus. Je m'en souviendrai. Bon, les rebelles se sont dégotés une bonne puissance de feu. Paré ? On y va ! Tu voulais un canon, cette chose en a un. Mais elle ne sera pas facile à abattre, surtout avec ça. Je m'occupe du mastodonte. Toi, tu gères les autres. On y va quand tu veux. Ça servira à rien. Peut-être qu'il y a quelque chose par ici que je pourrais utiliser contre cette chose. Mon focus peut m'aider. Préparez-vous, l'attaque va débuter. Le clan du ciel sera vaincu. C'est fini. Mince. On t'a bien formé. Tu l'as touché. Bravo. Combien de coups il faudra encore? Leur courage ne compense pas.
glace doit la fragiliser. C'était la dernière munition. Un duel pour régler ça. Garde ton. Ils ont eu leur compte. Alors, à propos de ce canon. J'ai vraiment pas hâte de transporter ce truc jusqu'au rempart. Tiens. J'ai plus qu'un bras, mais mon dos est encore solide. Après toi.
Tu t'es bien battu là-bas. Je ne pensais pas qu'on survivrait.